invité dans l'émission Un dimanche à la campagne, diffusée ce 12 novembre sur France 2, Vincent Lagaffe est revenu sur le début de sa carrière, qui n'a pas commencé sur scène ni à la télévision. Ayant d'abord obtenu un CAP de soudeur et un BEP dieseliste, l'humoriste de 64 ans est devenu membre des marins-pompiers pour entretenir les véhicules de l'unité d'élite, avant de travailler pour la compagnie maritime d'expertise. Et cette période de sa vie n'a pas été pleine de bons souvenirs puisque lorsqu'il exerçait ce métier, il a été confronté à la perte, tragique et frontale, de son meilleur ami. Gégé, comme il le surnommait, était son binôme au quotidien pendant l'exercice de sa profession et il était âgé de 2 ans de plus que lui. Ensemble, les jeunes hommes supervisaient le travail de l'autre pour éviter tout accident. De quoi beaucoup les rapprocher. On est vraiment deux potes. Mes deux frères, explique Vincent Lagaffe, qui a été envoyé en Roumanie pour découper un bateau qui s'est échoué sur une plage du club Méditerranée. Une expérience qui lui permet d'ailleurs de se rendre compte que la scène l'attirait énormément, comme il l'a confié à Frédéric Lopez. Mais par la suite, le futur comédien a été appelé pour se rendre à Djibouti, en Afrique de l'Est, et découper un autre bateau. On nous dit qu'il y a un chantier compliqué, il faut que t'ailles là-bas avec Gégé, raconte-t-il. Supérieur à supérieur à Vincent Lagaffe, Evelyne Leclerc, Philippe Risoli. Ces animateurs qui ont marqué le petit écran dans les années 90, un jeune homme coupé en deux durant le drame d'habitude, c'est Gégé qui prépare le matériel et moi je regarde le travail qu'il y a à faire. On nous demande de démonter les gros moteurs électriques avec une roue qui a une forme de maillon de chaîne et ça remonte la chaîne de l'ancre, a développé le comédien, qui se souvient, avec beaucoup d'émotion, avoir déchargé le camion. Vincent Lagaffe a tenté difficilement de reprendre ses explications, en révélant que son ami est descendu dans le puits de la chaîne. Et ça pète. On a un bruit très sourd. Un panache de poussière, de fumée. Je suis le premier, je me pointe et, là, ce que je vois, c'est une horreur, lance-t-il en essuyant une larme. C'est épouvantable. Je vois un demi-mec, a-t-il précisé, en indiquant avoir, le lendemain, dû annoncer au père de son ami que celui-ci était décédé brutalement. Ce triste événement l'aura finalement poussé à arrêter cette profession pour se tourner vers la scène, dans le club de vacances qu'il avait connu peu avant. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran France 2. Just me.